Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Essonne en hauteur. Dans un entretien accordé au journaliste Pierre-André Boutan, l'écrivain diplomate Paul Morand déclara « Naturellement, le monde a basculé en 1917. Il faut bien se dire ça que le XXe siècle commence en 1917 », insistant sur l'importance historique de cette année qui, du théâtre de la Première Guerre mondiale à la scène artistique en passant par la Révolution russe, a ébranlé le monde. Pour évoquer le foisonnement événementiel de cette extraordinaire année, notre émission a le plaisir d'accueillir le journaliste Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et présentateur d'Historiquement Chaud, pour son ouvrage intitulé 1917 aux éditions Perrin, et l'historien Alexandre Jevakov pour son ouvrage La guerre civile russe aux mêmes éditions Perrin. La révolution russe et ses multiples conséquences s'imposant comme le fait majeur de l'année 1917, notre émission trouve un décor de choix dans le musée cosaque de la garde impériale russe à Courbevoie. Créé à partir des collections des officiers du régiment cosaque de la garde impériale de Saint-Pétersbourg et rapatrié non sans difficulté en France en 1929, les objets composant ce musée sont les précieux vestiges des soubresauts de l'histoire. Alexandre Jevakov, Jean-Christophe Buisson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de L'Essonne en hauteur, qui change à chaque fois. Et bon, pour ce numéro de rentrée, nous avons la chance d'être dans un endroit qu'on peut qualifier d'exceptionnel sans exagération, puisque nous sommes au musée des Cosaques de Courbevoie, exactement, musée du régiment des Cosaques de la garde impériale, pour une émission consacrée au thème de 1917. Comme vous le savez, notre émission est une espèce de gimmick. En son début, nous faisons réagir nos invités au lieu et par rapport à leur livre. Alors, Alexandre Jevakov, vous êtes donc l'auteur d'un livre intitulé « La guerre civile russe 1917-1922 ». Bah, écoutez, vous devinez ma question. Quelle émotion, quel sentiment vous ressentez de tourner une émission sur ce livre dans un tel endroit ? C'est un endroit magique. C'est un endroit magique parce que dès le début de la Révolution, le régiment de Sa Majesté, qui avait un petit musée, a compris que les événements allaient risquer d'être difficiles. Et donc, ils ont évacué tout ce qu'ils avaient. Et cette évacuation, avec notamment tous les portraits des chefs de corps, a suivi l'histoire des armées blanches jusqu'à l'évacuation à la fin de 1920, Constantinople, les Balkans, pour arriver ici dans les années 30. Donc, c'est un endroit magique. Nous avons le portrait de Nicolas II et dans votre dos, vous avez une statue représentant un des généraux blancs, Gérald Denikin. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire et merci de ce choix. Et puis pour être complet, quand on lit la dédicace qu'il y a au début de votre livre, je crois que c'est pas qu'un travail d'historien, votre nom l'indique un peu, c'est aussi une histoire de famille, puisque oui, Finalement vous dédiez ce livre à votre grand-oncle qui a participé, mais pas du côté bolchevique. Non, mes deux familles étaient des familles d'officiers, essentiellement d'officiers de marine. Le premier Jevakov est rentré à l'école navale en 1799, et vous rappeliez effectivement que j'ai dédicacé ce livre à un de mes grands-oncles qui est sorti de navale à Saint-Pétersbourg, enfin Petrograd en 1915, et qui a été tué au combat contre les Rouges pendant la guerre civile. D'accord. Eh bien, écoutez, Jean-Christophe Buisson, je vais vous poser exactement la même question et une autre. Il n'y a pas de raison que M. Jevakov ait deux questions liminaires et pas vous. Donc, je vais vous demander évidemment votre ressenti par rapport au lieu, mais aussi, est-ce que vous pensez, puisqu'on vient de parler immédiatement de la Révolution russe, que la Révolution russe est l'événement majeur de 1917 ? Alors, la première question sur le musée, moi je suis très impressionné parce que en France, l'image qui est accolée aux Cosaques est globalement négative pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on pense aux Cosaques qui combattent Napoléon, qui battent Napoléon, qui défilent sur les Champs-Élysées, qui se comportent mal, ce qui est tout à fait faux par ailleurs. Un certain nombre de livres l'ont montré, mais dans l'imagerie, c'est ça qui est resté. Et puis les Cosaques qui ont subi 80-90 ans d'historiographie officielle communiste expliquant que c'était les méchants qui étaient du côté des tsars, alors que les Cosaques, c'est vraiment le symbole de la liberté. Je conseille à tout le monde... Ça veut dire ça, Cosaque. Oui, c'est l'homme libre. Je conseille à tout le monde de lire Le Don paisible de Cholokov, qui est un livre admirable qui raconte justement l'épopée Cosaque entre 1917 et 1921. Donc je suis ravi qu'on réhabilite de cette manière l'image des Cosaques, de ces gens qui étaient épris de liberté et qui ont été les premiers à combattre effectivement la révolution bolchevique. Dès les premiers jours, dès la semaine suivant le coup d'État de novembre 1917.
crois qu'il y a une image très célèbre d'un cosaque qui, au moment où il y a des révoltes, enfin ce qui va être la révolution à Saint-Pétersbourg, accepte une fleur de la part d'une femme du peuple. Et c'est quand même une image marquante où on voit que les cosaques passent donc du côté de la révolution. Oui, mais les cosaques, c'est pas manichéen, c'est pas les blancs. Il y a eu quelques cosaques rouges, effectivement, et c'est plus compliqué qu'on le dit. Quant à la seconde question, évidemment que 1917 est une année, que la révolution russe est le moment, les moments plutôt, parce qu'il y a deux révolutions. Je pense qu'on abordera ce sujet en 1917. En plus, il symbolise exactement ce que j'ai voulu faire dans mon livre. C'est-à-dire que 1917, pour moi, est une année cardinale, la plus importante de l'histoire, parce que c'est à la fois un monde qui s'écroule et un monde moderne qui naît la même année. Et les deux révolutions de 1917 symbolisent ça. La première révolution de février et mars, sans m'étendre dessus, c'est vraiment l'écroulement d'un empire multiséculaire, de la dynastie des Romanov, d'une part, alors que celle d'octobre, c'est l'apparition d'un nouvel État, d'une nouvelle notion, qui est un État totalitaire. C'est la naissance du totalitarisme en novembre 1917. Le premier goulag, l'idée de goulag, elle naît en 1917. La Tchéka, la police soviétique, naît en 1917. C'est pas Staline, c'est vraiment dès 1917. Donc ce monde nouveau, moderne, incertain, hyper violent, destructeur, totalitaire, naît quelques mois après que l'ancien se soit effondré sous les coups de boutoir, non pas des bolcheviks, on en parlera aussi, parce qu'au milieu de février 17, les bolcheviks, il n'y en a pas beaucoup en Russie, mais voilà, fin d'un monde, le monde d'hier, comme disait Stefan Zweig, et naissance d'un nouveau monde, la même année, 1917, en Russie, mais cette idée, on peut l'étendre à tous les domaines et à tout l'univers. Bon, écoutez, c'est extraordinaire, on dirait qu'on se passe les plats, alors que ce n'est pas le cas, parce que vous me permettez d'embrayer sur une question à M. Jevakov, donc le grand spécialiste de la guerre civile, donc de la révolution russe, justement. Votre intervention montre qu'il y a quand même un peu un problème de dénomination sur tous ces événements, parce que le plus souvent, ce n'est même pas guerre civile russe qui est employée. Plus souvent, on dit la révolution russe. Et c'est un terme qui est assez impropre, parce qu'il présente le fait comme un fait unitaire, et ça n'est pas le cas. Est-ce que vous voulez agir un petit peu comme un professeur très pédagogue, hein, ce n'est pas un pléonasme que de dire ça, et essayer un petit peu de remettre en perspective les trois ou quatre événements qu'on pourrait maintenant regrouper sous un terme générique qui serait la guerre civile russe? Bah, Jean-Christophe Buisson a déjà un peu défloré le sujet. Effectivement, la première révolution en 17 date de février avec le petit décalage de calendrier qui se passe selon le calendrier dit européen en mars. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si effectivement des manifestations du peuple, notamment des femmes, suite à des problèmes d'alimentation de pain, donc de farine, et donc tout ceci aboutit, il y a une tentative de répression qui finalement n'aboutit pas puisque, comme on l'a dit à l'instant, les cosaques et un certain nombre de forces militaires passent du côté des manifestants, donc des révolutionnaires, et donc tout ceci aboutit à l'abdication du tsar début mars, et donc à la constitution d'un gouvernement dit provisoire, et en face de lui, de ce qu'on appelle un soviet. Je rappelle qu'en russe, le mot soviet, ça veut dire conseil. Et donc ce soviet, lui, était apparu la première fois en 1905, qui est la première révolution russe, qui, elle, n'aboutit pas, qui se produit dans le contexte de la guerre russo-japonaise, qui est pour l'Empire russe une importante défaite militaire, et qui aboutit à ce démembrement politique avec une tentative d'évolution parlementaire, la constitution de ce qu'on appelle la Douma, et donc une esquisse d'ébauche d'évolution vers une monarchie constitutionnelle. Tout ceci, en fait, est très mal perçu par tout le monde, à la fois par ceux qui ont gagné, par ceux qui ont perdu, ceux qui ont perdu les révolutionnaires parce qu'ils se disent il faut recommencer à l'occasion, et ceux qui ont gagné parce que le régime ne sortira jamais d'une espèce de contradiction. Soit on évolue vers une monarchie constitutionnelle, soit on reste dans une logique autocratique. Et cette espèce de contradiction, de grand écart, est une des raisons pour lesquelles en 17, au moment où se produit la troisième année de la guerre mondiale, comme dans d'autres pays, tout le monde est fatigué, il y a des mutineries ou des tentatives de mutinerie, il y a le jeu extrêmement subtil des Allemands pour faire en sorte que les troupes russes soient affaiblies, tout ceci conduit à cet événement de février 17. Ensuite, effectivement, ce gouvernement provisoire va aller d'échec en échec. Lui, il souhaite rester fidèle à l'engagement russe du côté des Alliés, et donc continuer la guerre jusqu'à la victoire, mais naturellement, beaucoup de gens sont fatigués, et donc veulent la paix et veulent surtout que la terre passe aux paysans. Vous vous souvenez qu'en 1861, voilà, le tsar avait supprimé le servage, mais le problème de l'abolition du servage ne règle pas le problème de la propriété foncière. Oui. Et donc ce problème est lancinant et tout au long
de la fin du 19e siècle et des premières années, des deux premières décennies du 20e siècle, ce problème reste pendant. Et donc, le paysan russe, lui, il y a une chose qui l'intéresse en 17, c'est devenir propriétaire. Voilà. Et donc, ça, c'est un argument que va parfaitement comprendre le parti bolchevique et tout particulièrement Lénine, et qui va conduire Lénine, après le retour dans les conditions que l'on sait avec la complicité allemande, à ce qu'on appelle le coup d'État bolchevique, ce que les soviétiques appelaient la glorieuse révolution socialiste d'octobre, avec, comme le disait Jean-Christophe Busson, là on change complètement de paradigme et on rentre dans une logique totalitaire et la guerre civile. Oui, donc on voit en fait que ce qu'on appelle, je vous dis d'une manière unitaire, la révolution, c'est d'abord une révolution en toile de fond 1905, deux révolutions successives, celle de février-mars selon le calendrier, puis celle d'octobre, et puis finalement, à partir surtout de la révolution de février-mars, tout le monde est d'accord pour faire la révolution, personne ne s'entend pour savoir quoi après. Et c'est ça qui fait cette guerre civile, parce qu'il y a mille tendances politiques. Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a effectivement une prise de pouvoir par les bolcheviques, mais qui sont, y compris à l'automne 17, extrêmement minoritaires. On va y venir. Il s'agissait vraiment de reposer le cadre de la chronologie. Alors justement, je vous pose quand même une seconde question. De quels maux initiaux souffrait la Russie pour voir, mais vraiment s'effondrer, partir comme ça, comme un fétu de paille, cette dynastie qui semblait extrêmement installée? Tout le monde a un peu en tête ces images d'archives du tricentenaire de la dynastie. En 1913, à Moscou, on voit quand même une procession extrêmement protocolaire, luxueuse. Enfin, c'est les Romanov qui ont l'air d'être à leur zénith et en fait qui sont plutôt en train de danser sur un volcan. Et votre prologue est vraiment intéressant parce que d'abord, il consacre tout un passage, et j'aimerais vous entendre un peu là-dessus, à la ville elle-même de Saint-Pétersbourg. Elle dit beaucoup, cette ville à la fois, c'est une ville extrêmement marquante, c'est la ville du pouvoir impérial des Romanov, ce n'est pas vraiment une ville russe, ce n'est pas forcément une ville très appréciée des Russes. Vous citez énormément de sources littéraires, Dostoïevski qui la déteste, Gogol qui n'en donne pas une très bonne image, etc. Et alors, une chose que j'ai trouvée très commune, je ne connaissais pas du tout ce détail, vraiment, votre début est une réussite romanesque, presque. Il y a comme ça une espèce de petite revue, je pense que c'est un magazine un peu snob et mondain. Je vais le dire en russe, puis vous traduirez. C'est Stalista i Usabalda. Stalitsa, c'est la capitale, donc ça fait référence à Saint-Pétersbourg qui deviendra Petrograd. Et Usab, c'est un nom russe qui désigne la maison de maître dans sa propriété. Et donc, La belle vie. Et donc, l'invention marketing du créateur de la revue, c'est de faire appel à ceux qui habitent dans la capitale, donc les gens de la cour, les notables, les aristocrates, et puis toute cette nouvelle bourgeoisie qui apparaît à la fin du 19e et au début du 20e, qui elle aussi veut se retrouver à la table des gens riches, beaux et bons. Et ces gens-là, en général, soit ont des propriétés familiales ancestrales, soit commencent à acheter des propriétés parce qu'une partie de la noblesse appauvrie a vendu ses propriétés à la fin du servage ou pour d'autres raisons à la fin du siècle. Et donc, ce sont ces nouveaux riches qui rachètent ces propriétés. Et donc, mais surtout, ce qui est intéressant, excusez-moi de vous interrompre, ce qui est très intéressant dans sa revue, c'est que, sans mauvais jeu de mots, elle est complètement à l'ouest des événements. C'est ça que vous montrez. Oui, bien sûr. Alors, lui ne voit que plaisir partout, que luxe partout, alors qu'en fait, les trois quarts de la population est furieuse, souffre, c'est la guerre, etc. Il est complètement aveugle, si je puis dire, sur ce qui est en train de se préparer. Je ne suis pas son avocat, mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se rendre compte. Il le sait, bien sûr. Son public, c'est un public qu'on appellerait aujourd'hui de CSP++. Voilà. Et donc, lui, s'il veut faire venir de la publicité, et une vie de publicité, ben il faut que les choses soient, que les gens sourient, qu'on voit des balles, qu'on voit des surprises parties, des soirées, que les femmes soient belles, qu'on montre des princesses qui fassent semblant de traire leurs vaches, etc., etc. Et donc, bien entendu, tous les problèmes qui se posent dans le pays, qui sont des problèmes réels, ils sont ignorés. Même au début de la Révolution, ça n'existe pas. Et même le début de la guerre est absolument oublié, sauf pour faire apparaître l'aristocratie qui est là, notamment les dames de l'aristocratie et leurs filles qui sont là pour aller visiter les blessés, préparer les ouvroirs et donc faire en sorte que... Mais effectivement, il y a une espèce de juxtaposition d'un monde réel et d'un monde... Fantasmé, rêvé. C'est l'équivalent du « tout va bien, madame la marquise » de la France en 1939. Exactement. C'est tout à fait ça. Sauf qu'il n'y a pas de marquise chez les Russes, mais à cela près, c'est exactement... Mais l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est exactement le même état d'esprit. D'accord. Alors, là, on vient de voir plutôt des causes intérieures, c'est-à-dire le problème après l'abolition du servage a vraiment donné la propriété. Bon, on voit aussi quand même l'ignorance de toute la misère qu'il y a. Ça, ce sont vraiment des causes intérieures. Mais est-ce que la première révolution russe, elle n'est pas aussi...
c'est quand même évident, une conséquence de la Première Guerre mondiale, parce que c'est enkysté dans la réalité. À l'évidence, il y a effectivement la désorganisation de l'armée russe qui n'est absolument pas prête, qui effectivement, comme on le sait, s'est engagée en Prusse orientale pour aider l'armée française à l'été 14. Côté des alliés. Voilà, les alliés. Donc il y a toute cette désorganisation qui pèse en 14, en 15, et qui ensuite aboutit donc à une espèce de... Un enlisement et une fermentation d'idées très peu favorables à la poursuite de la guerre. Et puis pour le reste, il y a aussi... Alors, ça fait débat parmi les historiens, mais il y a naturellement le jeu des Allemands qui souhaitent affaiblir le front oriental, puisque plus ils peuvent dégager de divisions, plus ils peuvent ensuite l'envoyer sur le front français. Et puis, il y a effectivement un débat qui est encore très actuel aujourd'hui parmi un certain nombre d'historiens russes contemporains, qui est de savoir si les Britanniques n'ont pas participé à la révolution russe, puisqu'on sait très très bien qu'il y a un tireur de ficelle, et on sait très très bien qu'il y a le grand jeu entre les Russes et les Britanniques pour tout ce qui est donc l'Asie centrale et l'Inde. Voilà. Et puis il y a un autre débat que moi j'écarte parce que je ne le trouve pas documenté aujourd'hui, mais qui reste un peu dans les esprits des uns et des autres, c'est est-ce qu'un certain nombre de milieux américains, notamment les milieux israélites, puisqu'on sait très très bien que l'Empire russe n'était pas très favorable pour utiliser un terme diplomatique. Il est antisémite, effectivement. Donc est-ce qu'un certain nombre de milieux d'affaires américains, notamment financiers, n'ont pas œuvré contre le régime autocratique et donc impérial en Russie? Oui, alors je voudrais revenir sur ce que vous disiez concernant les tireurs du ficelle. Vous faites une superbe citation de Stefan Zweig, qui lui aussi pense à cette piste, et il dit, voilà, ce qui a eu lieu, c'est une révolte de palais contre le tsar, machinée par des diplomates anglais ou français, pour empêcher le tsar de signer la paix avec l'Allemagne, et non la révolution du peuple qui aspire à cette paix et à la reconnaissance de ses droits. Donc vous savez bien que toujours dans une révolution, il y a une espèce d'image romantique, le peuple en colère, puis quand on se penche sur les événements, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais quand même, je vais vous poser une question un petit peu cliché. Est-ce que vous pouvez rappeler comment, très concrètement, cette révolution a démarré? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Ce qui met le feu aux poudres, effectivement, début mars dans le calendrier européen, c'est des problèmes ou l'impression de problèmes d'alimentation de pain dans la capitale, à Petrograd. Et donc, il y a des manifestations de femmes qui ont lieu et qui très vite débouchent sur des grèves des principales usines, les fameuses usines Poutilov à Petrograd. Et donc, il y a une conjonction de ces manifestations de femmes puis d'ouvriers qui donc conduisent à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention de forces de police et de forces militaires, et très très vite donc le passage du côté des manifestants de ces forces dites de répression, et très vite on passe de slogans normaux, c'est-à-dire on veut du pain, à des slogans qui deviennent politiques, à bas l'autocratie, donc à bas le régime impérial, et vive la paix. Et d'ailleurs, la première grande manifestation a eu lieu le 8 mars, la journée de la femme. Absolument. C'est parti des femmes. Absolument, vous avez entièrement raison. Ouais. Alors, ce qui est frappant quand on lit votre livre, qui est, bon, disons-le tout de suite, extrêmement précis, je crois que c'est un ouvrage qui fera référence, parce que, bon, il n'y a pas un nom qui doit être mis dans le moindre acteur de cette révolution, et il y en a un, je vous disais tout à l'heure en off, qu'il y a de quoi faire concurrence à Tolstoï, ce qui n'est pas rien. Mais alors, une chose qui est absolument frappante, c'est que, bon, voilà, nous parlons de l'histoire après. Vous avez le recul quand même de l'historien un siècle plus tard. Mais quand l'événement a lieu, ce qu'on voit dans votre livre, c'est qu'à peu près personne ne le voit venir, prend son ampleur et sa nature. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Personne ne comprend rien à rien, du tsar au peuple d'ailleurs. Alors, je nuancerai un peu votre propos. C'est-à-dire que, du côté des services de police. L'Okhrana, elle voit. Non seulement elle voit, parce qu'elle annonce ce qui va se passer quasiment à 100%. Elle dit qu'un manque de farine va tout déclencher. Voilà, exactement. Et par ailleurs, elle surveille l'opposition politique, l'opposition de gauche. Elle sait très très bien qu'il y a un certain nombre de complots qui sont en train de se préparer, y compris d'ailleurs dans des milieux proches de la cour, puisqu'un certain nombre de membres de la famille Romanov pensent qu'il faut changer les choses ou au moins changer les personnes. Et donc la police politique est parfaitement au courant, et la police politique notamment sonorise un certain nombre d'appartements où se réunissent des responsables donc anti-russes.
anti-tsar. Et donc, ils sont prêts à procéder à des arrestations dès lors qu'on leur donne l'autorisation de faire. Et en fait, un des problèmes de ce système, c'est qu'à aucun moment, les autorisations n'arrivent. Et donc, c'est vrai que si on faisait l'Uchronie, on pourrait effectivement penser que les autorisations auraient été données. Si, avec des si, on met Saint-Pétersbourg en bouteille. Voilà. Mais de fait, vous l'avez dit très justement, a fortiori quelques années après le tricentenaire, tout ce système impérial qui paraît extraordinairement organisé, extrêmement solide, s'effondre comme un fétu. Et ce qui est peut-être aussi extrêmement, quasiment dramatique, c'est que toute une bonne partie, pour ne pas dire l'essentiel, de toute cette aristocratie de service, les militaires, les civils qui avaient prêté serment au tsar, qui donc étaient supposés être là pour l'aider, disparaissent du jour au lendemain. Et effectivement, ils font le choix de passer de l'autre côté. Et quand le tsar sera amené à quitter la capitale pour rejoindre en Sibérie, personne ne voudra le rejoindre. Et parmi les autorités civiles ou militaires qui sont sur le terrain, il n'y a quasiment aucun général. Il y en a un ou deux qui, effectivement, restent fidèles au tsar. Il n'y a quasiment aucun gouverneur qui ne reste fidèle au tsar. Alors, donc tout cet événement a lieu, la révolution de février-mars, puis donc celle d'octobre. Et donc, à partir de là, on débouche sur la guerre civile. Et là aussi, une question se pose. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait eu un tel consensus pour la première révolution, donc l'abolition du système autocratique, disons-le. Et qu'après ça, bon ben voilà, tout le monde devrait être satisfait. Pas du tout. L'événement continue sous d'autres formes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la guerre civile ait duré si longtemps, c'est-à-dire de 1917 à 1922. Pourquoi est-ce qu'elle a un tel développement alors qu'on pourrait croire les gens satisfaits? Alors, il faudrait commencer déjà par passer de février 17 où effectivement il y a une sorte de consensus pour qu'on passe à un régime démocratique avec des élections au suffrage universel, y compris pour les femmes. Donc, de ce point de vue-là, le gouvernement provisoire anticipe les choses par rapport à ce qui se passe en France. Et puis, effectivement, lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir, on est non plus dans un processus partagé, mais on est dans un coup d'État fait par une minorité et dont les premières victimes ne sont pas les monarchistes ou les partisans d'un régime monarchique, même constitutionnel. Mais d'autres gauchistes, d'autres tendances. Oui, c'est ça. Il faut bien avoir ça en tête. Et donc, à partir de ce moment-là, la première contestation par rapport au régime bolchevique soviétique, effectivement, vient de gens qui sont, qu'on pourrait appeler des forces progressistes ou démocratiques, qui ne veulent pas de cette dictature potentielle des bolcheviks. Et ensuite, ajoutons les choses qu'il y a en fin 17, nous sommes encore en pleine guerre mondiale, et du côté des capitales, notamment à Paris et à Londres, le problème, ce n'est pas tellement de savoir si c'est Lénine, pas Lénine, etc., qui va prendre le pouvoir, c'est est-ce que la Russie va rester dans le camp allié, est-ce qu'elle va rester jusqu'à la victoire avec les forces françaises et britanniques et ensuite les forces américaines le moment venu. Est-ce qu'elle risque pas de s'entendre avec et donc les c'est Allemands là, c'est tout le problème de Brest-Litovsk, parce qu'effectivement, pour Paris-Londres et pour Washington, il faut surtout maintenir la Russie dans le camp allié. Et donc ça crée effectivement des multiplicités de tendances et de fronts. La Russie, ce n'est pas le Luxembourg, je n'ai rien contre le Grand-Duché. Mais c'est juste le pays le plus grand du monde. Voilà, c'est le pays le plus grand du monde. C'est un pays où il y a des hivers longs et rigoureux. Donc tout ça crée des conditions climatiques extrêmement compliquées. Les trains ne fonctionnent plus. Et donc, il y a tout un tas de problèmes de transport. Et donc, tout ceci, voilà, de communication. Je donne un exemple que je trouve assez extraordinaire. Un été, un des ministres britanniques reçoit un tchèque et ils parlent, voilà, ils disent quels sont les bons généraux russes qu'on pourrait utiliser pour la... Et donc, le tchèque donne un nom. Et en fait, les Britanniques donc demandent à leur représentant en Russie de convoquer ce général. Il se fait simplement qu'il est mort depuis 4 ou 6 mois et personne n'est au courant. Mais, oui. Mais si je peux dire un mot sur l'engrenage qui mène à cette guerre civile russe, il ne faut pas oublier que tous les leaders bolcheviques en 1917 sont obsédés par une chose, c'est la Révolution française. C'est la Commune. Et la Commune. Mais surtout la Révolution française avec l'idée qu'il ne faut pas échouer comme la Révolution française a échoué, d'une certaine manière. Elle a échoué pourquoi? Parce que Robespierre, à un moment donné, il s'est fait décapiter et on a abouti à Napoléon. Donc pour ne pas finir comme Robespierre avec une révolution jacobine décapitée, il fallait encore plus loin dans la violence, encore plus loin dans le combat, encore plus loin dans l'élimination des gens les plus proches de vous, c'est-à-dire l'équivalent des Girondins, c'est-à-dire les démocrates bourgeois parlementaires qui essayent de faire ce régime improbable incarné par Kerensky. Voilà, qui sont dans l'esprit des bolcheviks, leurs adversaires politiques les plus importants. Bien sûr, parce qu'une fois qu'on a une révolution jusqu'au boutiste. Exactement, c'est une révolution française
qui a réussi, pardon, c'est-à-dire non, non. réussi si à son terme le plus violent. Mais si je citais tout à l'heure la commune, c'est qu'il y a une espèce de fantasme de durée plus que... Plus, que voilà, plus Lénine que est fou de joie le jour où il apprend que la révolution a dépassé... Absolument. On chante la Marseillaise plusieurs fois, ne serait-ce qu'à la retour de Lénine. Oui, c'est une Marseillaise, voilà, une Marseillaise rouge avec des paroles différentes. Des paroles différentes. Bien sûr. Alors, bah, écoutez, ce que vous venez de dire va aboutir à poser la question suivante. Comment expliquez-vous, parce que dans votre livre, ça aussi, c'est bien montré, les bolcheviques au début des deux révolutions, qu'importe, c'est un groupuscule parmi d'autres, assez culotté quand même. Bon, alors, nous ne faisons pas du tout de politique dans cette émission, mais enfin, j'invite ceux qui liront votre livre à peut-être opérer, je parle dans l'esprit, dans la manière, alors vous avez compris, des rapprochements avec des gens, en France peut-être, hein, un petit peu agités et qui décident comme ça de bafouer toutes les règles, à la fois de bienséance et tout. Et en fait, on croit que ces gens sont très originaux et quand on lit votre livre, enfin, ils ne font que s'inspirer de ce qui existe. Ben, ça a réussi à cela. On verra si ça réussira à ceux. Comment expliquez-vous le triomphe des bolcheviques qu'on ne voit là aussi pas venir, et même ce Lénine, mais on va y revenir plus tard à Lénine. Il y a deux ou trois explications. La première, je faisais référence tout à l'heure à la carte de la Russie. De fait, le camp rouge, donc le camp bolchevique, est resté au cœur de la Russie historique. C'est-à-dire qu'ils ont toujours tenu Moscou et l'autre capitale, donc Petrograd. Pourquoi je dis Moscou et l'autre capitale? Puisque effectivement, le gouvernement bolchevique quitte Petrograd et s'installe à Moscou. Donc ils ont tenu le cœur et donc toute leur force était concentrée. Alors que du côté anti-bolchevique, donc ce qu'on appelle le camp blanc, c'était une multiplicité de fronts. Et donc les problèmes d'échange, encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, les transmissions sont extrêmement complexes, extrêmement longues. Et donc entre le front sud et le front ouest, c'est beaucoup plus compliqué pour les forces anti-bolcheviques. Ça, c'est un premier problème, un problème de logistique, un problème fonctionnel. L'autre problème, on évoque Lénine, mais il faudrait ajouter Trotsky et Dzerzhinsky, c'est qu'on a là une équipe de gens extrêmement décidés, prêts à tout, et qui ont parfaitement, qui par ailleurs ont une expérience révolutionnaire de deux décennies, face à des généraux blancs. Ils jouent presque leur dernier coup, d'ailleurs. Voilà, qui, effectivement, ce sont les vieux, comme ça. Face à des généraux blancs, Kautchak, Denikin, Wrangel et Pikarnir, enfin, qui sont des généraux et qui, sauf Wrangel à la fin, ne comprennent pas qu'ils sont en train d'avoir en face d'eux non pas des adversaires comme les Français, les Anglais, les Allemands, mais qu'on est dans une guerre civile, c'est une guerre idéologique. Ce n'est pas une guerre classique. Et eux, ils combattent en tant que militaires. Ils ne comprennent pas l'aspect idéologique. Ils ne comprennent pas qu'il faut passer à la politique, et notamment, tout à l'heure, on parlait de la réforme paysanne. Ils ne comprennent pas qu'il faut donner la terre aux paysans, quitte à faire des promesses. Voilà. Et notamment, ils ont un autre problème, c'est qu'eux veulent maintenir la Russie une et indivisible. Alors que, bien entendu, que ce soit du côté balte, en Finlande, du côté ukrainien, du côté caucasien, les gens disent « Attendez, nous, on veut retrouver notre indépendance historique ou pas historique. » Un morcellement de l'Empire. Un morcellement. Et donc, ça joue. Et les bolcheviques leur promettent ça. Et les bolcheviques promettent. Voilà. Eux font des promesses. Ils font des promesses, absolument. Comme je disais que naguère, j'ai écrit une biographie de Mustafa Kemal Atatürk, je rappelais que pendant la guerre d'indépendance turque, Atatürk a promis aux Kurdes l'indépendance. Voilà, et comme c'est une vieille ficelle politique. C'est une vieille ficelle politique qui marche à tous les coups. Une des choses que vous démontrez dans votre livre 1917, qui est un livre panoramique, c'est que cette année, elle est intéressante à la fois intrinsèquement et extrinsèquement parce qu'elle ne cesse d'avoir des résonances avec notre monde. Et pour conclure ce chapitre russe, je voulais prendre une citation extrêmement actuelle du dirigeant russe, Vladimir Poutine, n'est-ce pas, qui est venu d'ailleurs dans cette maison, et son analyse à lui, puis vous me direz ce que vous en pensez, de cette révolution. Voilà ce qu'il en dit. Les bolcheviques appelaient à mettre fin à la guerre, mais ils ont trompé la société, ce qu'on vient de dire un petit peu à l'instant. Vous le savez bien, la terre aux paysans, les usines aux ouvriers, la paix au peuple, ils n'ont pas apporté la paix, une guerre civile a éclaté, ils ont exproprié les usines et la terre, c'est donc un mensonge complet. Bon, toute idéologie et politique mise à part, est-ce que vous trouvez ici que le bilan que fait Vladimir Poutine est juste? Il me paraît... Globalement avéré. Bien. Alors, l'histoire, évidemment, ce sont des faits de masse, mais moi, j'aime bien l'histoire quand même par personnage. Et pourquoi opposer l'une et l'autre? Elles vont ensemble. Il me semble qu'on pourrait, pour clore, je vous dis, ce chapitre russe, se pencher sur trois destins. D'abord, on va se pencher sur le destin,
je ne dirais pas qu'on est un peu chez lui, mais enfin, on est sous son regard, en tous les cas. C'est un peu impressionnant. On est sous le regard de Nicolas II, et là, on pourrait parler de la chute de l'aigle. Bon, il occupe très peu de place dans votre livre, dans votre ouvrage, alors que souvent, quand on pense à la révolution russe, révolution contre un roi, le roi, c'est Nicolas II, donc c'est lui. Et là, c'est un personnage assez falot, assez ballotté par les événements. Comment expliquez-vous ce fait? Pourquoi il n'occupe pas une si grande place? Parce que, on le disait tout à l'heure, au moment de la révolution de février, les choses se dilatent. Il n'est pas non plus, lui, à Saint-Pétersbourg. Il n'est pas à Saint-Pétersbourg, et ça mériterait également un focus particulier. C'est une de ses erreurs. Mais quoi qu'il en soit, il abdique avec beaucoup de dignité et beaucoup de courage. Mais le système s'effondre, comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite, quand il est exécuté avec sa famille dans des conditions absolument abominables, le fait est que, politiquement, ça a très très peu d'effet. C'est-à-dire que, en dehors d'un certain nombre de cérémonies religieuses en mémoire du tsar et de la famille, les gens ça ne suscite pas de réaction politique. C'est-à-dire que, un peu plus d'un an après, on a oublié le tsar Nicolas II. Alors, non, il est pas. Je ne critique pas le tsar en tant que tel, mais je lui reproche simplement de n'avoir pas compris les choses. Et globalement, non, bien entendu. Et je pense simplement qu'il n'était pas le bonhomme à la bonne place, pour utiliser une expression traduite de l'anglais. Voilà. Moi, je vais vous citer. Voilà ce que vous dites, page 64. Là, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle. L'incapacité de ses ministres, leur refus même d'exercer leurs responsabilités, ne doit pas faire oublier la faute de celui qui les a choisis. Souverain autocrate, généralissime des armées, c'est peut-être une de ses fautes. Nicolas II est le véritable décideur. Il y a même une autre personne que vous impliquez, avec un seul conseiller en cette fin d'année 1916, la tsarine Alexandra Federovna. Pour vous, il porte quand même une assez grosse responsabilité. Mais c'est sûr et certain. Encore une fois, je pense qu'il n'était pas l'homme de la situation. Il n'avait pas été très très bien formé, puisque son père est mort de manière précipitée. Et donc, il s'est retrouvé souverain d'un pays immense, 180 millions d'habitants, pays extrêmement difficile, pays en pleine restructuration, évolution sociale, économique. Et Nicolas II aurait peut-être été un bon empereur russe à une autre période, dans un autre contexte, mais effectivement, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, 10 ans après l'échec de la Révolution de 1905, c'était pas, me semble-t-il, l'homme qui était fait pour affronter tous ces enjeux et toutes ces menaces. Très rapidement, est-ce qu'on pourrait quand même lister, mais d'un mot, hein, quelles ont été ces erreurs? Bon, je pense qu'il y a de nouveau le problème du traitement de la paysannerie. Est-ce que le fait de s'être fait nommer généralissime n'est pas une erreur majeure pour plein de raisons? Est-ce que vous voulez dire un peu? Oui, enfin, quand la guerre éclate en 14, il nomme généralissime un de ses parents, un oncle, et effectivement ensuite, pour des raisons X ou Y que je ne vais pas développer ici, ce serait trop long, en 15, il prend cette fonction. Et ça, effectivement, c'est une erreur à la fois fonctionnelle, parce qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas les qualités tactiques ou stratégiques, et par ailleurs, ça le met en première ligne, donc tous les échecs... Et ça l'amène à quitter la capitale, et ça l'amène à quitter la capitale. Voilà. Donc ça, c'est sûr et certain. Notre défaut, qu'à mon avis, il doit assumer, c'est qu'il n'a jamais en fait accepté l'évolution constitutionnelle post-1905. Il reste et dans son esprit, il est resté autocrate et considéré qu'il est là, loin du Seigneur, c'est-à-dire le représentant du Créateur. Et donc c'est vrai que lorsqu'il a été confronté à au moins deux de ses premiers ministres qui sont rentrés dans une logique plus européenne, vite, à l'époque de... Et puis Staline, surtout, au début de la première décennie, il n'a jamais accepté de voir monter cet homme, et on sait que Staline est mort dans des conditions sur lesquelles on pourrait dire beaucoup de choses. Bon, donc il a commis un certain nombre d'erreurs. Alors vous citez une petite anecdote. Bah, c'est pareil, qui ne fait pas du personnage quelqu'un de reluisant. À un moment donné, où il y a une révolte importante, enfin quelque chose qui annonce, là encore, la révolution à Saint-Pétersbourg, il traite ça un petit peu par le mépris, n'en prend absolument pas la mesure, et vous concluez en disant, et le soir même, il jouait au domino. Donc là aussi, vous en donnez l'image de quelqu'un de... Déconnecté. Mal conseillé. Hors sol, comme on dit souvent. Ceci étant, jouer au domino est un moyen aussi de... D'évacuer la pression. Voilà. Bon, alors vous cherchez quand même un peu à le sauver finalement. On est frappé évidemment par la rapidité avec laquelle, comme vous dites, il disparaît. Et vous disiez tout à l'heure que tout le monde le lâche, et c'est vrai, puisque je crois qu'il fait un commentaire terrible dans son journal en mars où il dit quelque chose. Tout autour de moi, je ne vois que trahison, lâcheté et tromperie. Absolument.
Alors un autre personnage qui est très intéressant dans cette révolution, et on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, c'est Kerensky. Bon, Kerensky, comment fonctionnellement et chronologiquement il vient s'insérer dans cette histoire? Alors peut-être vous pouvez aussi répondre, oui. Kerensky. Kerensky, c'est un jeune avocat brillant qui a défendu les ouvriers, les paysans dans les années 1900-1910 et qui est peut-être justement le seul qui comprend très vite l'enjeu qu'est la révolution de février-mars. La révolution est là sous vos yeux. Voilà, qui en prend la tête, qui a essayé de s'opposer à l'Assemblée, à la Douma reconstituée contre le Tsar, donc qui est lui favorable à une réforme de la monarchie, mais vers une monarchie constitutionnelle. On peut parler d'un progressiste. Oui, absolument, un progressiste. Oui, mais il appartient à c'est Danton, si vous voulez. Il appartient à un groupe de travail qui s'appelle les travaillistes, donc effectivement, il est Trouneau, voilà. En moins cruel que Danton. Quand oui, même. Mais il est dans cette idée-là. D'accord. C'est-à-dire qu'on va réformer, mais il faut quand même une révolution. Et une fois que la révolution a lieu, et une fois que l'empereur a abdiqué, bien, il se retrouve au pouvoir. Il est à la fois aimé de la bourgeoisie dont il est issu, de ces classes-là, et puis du peuple, parce qu'il a participé à la révolution. Et il est à la fois élu par le Soviet, vous savez, c'est le palais de la Tauride où tout se passe, il y a une aile du palais de la Tauride. Il a une espèce de légitimité. Ouais, une double légitimité. Une légitimité des Soviets et de la Douma, vaguement reconstituée, avec les élus qui restent de la précédente Douma. Donc il est vraiment le prince de la révolution. Et il est adoré, mais... Il va sans doute être envahi par cette ivresse du pouvoir. Il va finir par se comporter presque comme Nicolas II. Il va se retrouver dans le bureau Nicolas II, décoré dans la chambre d'Alexandre. Donc il va être un peu... Et il va faire une énorme erreur tactique, politique, stratégique au mois d'août. En juillet, si vous voulez, il y a une tentative de... Il y a des manifestations qui ont lieu contre la guerre, plus ou moins manipulées par les bolcheviks, plutôt moins que plus d'ailleurs. Une répression terrible. Trotsky est arrêté, Lénine est obligé de s'enfuir. C'est la fin des bolcheviks, en fait. Ce serait le moment de mettre un point. Il n'y a plus de bolcheviks. Il reste quelques centaines de militants. Ils sont éparpillés. C'est terminé. Il n'y a plus aucune. Il y a plus aucune raison pour que les bolcheviks prennent le pouvoir. Et puis au mois d'août, il s'imagine que il y a un complot de militaires contre lui pour restaurer la monarchie, incarné par le général Kornilov. Et il pense qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Et lui-même sent qu'il a besoin, pour se relégitimer, de laisser l'impression que la révolution, qu'une contre-révolution se prépare. Et donc, il fait arrêter Kornilov en disant « il y a un coup d'État d'extrême droite qui se prépare ». Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il libère les bolcheviks qu'il a arrêtés au mois de juillet. Il les libère, il leur donne des dizaines de milliers d'armes. Et que font les bolcheviks? Immédiatement, Trotsky crée un comité révolutionnaire militaire qui va s'en servir pour faire le coup d'État d'octobre. Donc il y a une responsabilité immense dans ce qui va se passer. Et tout ça par ivresse du pouvoir, par refus de partager le pouvoir alors qu'il vient de proclamer la République. Mais en fait, il a pris goût à ça, à cette autocratie qu'il dénonçait 6 mois plus tôt. C'est un personnage qui est très romanesque, en fait. Et il va échapper de peu à la révolution russe, il va s'enfuir dans des conditions assez extravagantes, il va s'exiler aux États-Unis, il va faire des conférences. Je crois que vous l'avez rencontré peut-être, non? L'extraordinaire que vous citez dans le livre, c'est que Marc Ferro l'a rencontré à Oxford en 1964. Absolument, oui. Et ça m'a fasciné d'imaginer, parce que Marc Ferro est toujours parmi nous, imaginer cette rencontre, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Alors après avoir vu la chute de l'aigle et l'envol raté, eh ben, on va voir maintenant l'année de tous les possibles, mais cette fois-ci c'est pour Lénine. Alors Lénine, bon c'est pareil, quand on sait ce que va être son devenir et qu'on voit ses débuts, là encore une fois, on est stupéfait parce qu'on ne peut pas prévoir ça. Bon, Lénine d'abord, c'est un personnage qui est très loin des événements de février et de la chute du Tsar, depuis longtemps en plus. C'est un personnage qui n'est quasiment pas très mal connu, surtout dans les gens qui sont de son groupuscule. Mais vous citez à un moment donné des militaires à qui on parle de Lénine, ils savent à peine qui c'est, etc. C'est un personnage qui est d'un courage extraordinaire, hein, quand même. Bon, oui, quand il est assuré, il fait des discours au balcon, mais enfin, le plus souvent, il est avec des barbes, des déguisements. Il ressemble plus à un pied nickelé de la politique qu'à autre chose. Comment est-ce qu'on peut expliquer, d'abord, sa haine du système impérial, et puis son destin, qui n'est qu'esquissé en 1917, mais comment? Alors, on parlait de Kerensky, hasard extraordinaire, quasiment romanesque. La famille de Kerensky et la famille de Lénine Oulianov se connaissent, ils sont de la même ville, Simbirsk. Et le père, les deux pères, Kerensky et Oulianov, étaient professionnellement très proches. Voilà. Oulianov dit Lénine, c'est effectivement quelqu'un qui n'a rien à voir avec le prolétariat. Avec la paysannerie, c'est effectivement un homme de la petite noblesse, une petite noblesse de service, oui. Et qui effectivement passe vraisemblablement du côté révolutionnaire quand son frère Alexandre, qui est donc un acteur mineur d'un complot contre le tsar, est condamné à mort et sa mère, donc Madame Oulianov, essaie d'obtenir la grâce
Et en fait, le fils Alexandre donc refuse de demander la grâce. Et donc, il est pendu. Et vraisemblablement, cette Lénine affaire marque énormément le jeune Vladimir. Donc ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que Lénine devient un révolutionnaire professionnel et qui effectivement s'enferme dans un personnage. Alors, il ne faut pas oublier que vous disiez tout à l'heure qu'il est falot, machin truc, mais très très intéressé matériellement. C'est-à-dire qu'il s'est débrouillé très très vite pour mettre la main sur la caisse du parti. Et donc, ce qui lui a permis de vivre et d'organiser ses petites affaires à partir. Oui, parce qu'il se déplace facilement. Il se déplace facilement et il contrôle un peu tout ça. Et donc, il contrôle la presse du parti, contrôle un peu tout le système du parti. Et donc, ça, il fait ça très très. C'est un type extrêmement habile. C'est un type qui est extrêmement habile et qui a en tête un modèle. Un modèle de régime, un modèle de pouvoir, et effectivement, il est prêt à tout. Et donc, c'est vrai que lorsque la guerre commence, il est à l'étranger, il est a priori totalement has-been, il est en dehors du coup. Lorsque la révolution de février 17 se produit, il la découvre. Quelques jours avant, il avait tenu une conférence où il expliquait que ce n'était pas pour lui, c'était pour la génération qui et qu'il ne verrait pas la révolution. Et qu'il ne verrait pas la révolution. Nous, les vieux, nous ne verrons pas. Et donc, c'est là où il y a un coup de chance extraordinaire, c'est qu'il y a effectivement un concours de circonstances. Les Allemands comprennent qu'ils peuvent utiliser ces bolcheviks pour aller, excusez-moi, foutre le bordel du côté russe. Du poil à gratter. Voilà, du poil à gratter, parce que vous êtes beaucoup plus diplomate et politiquement correct que moi. Donc, Lénine rentre dans ce jeu-là, c'est ce fameux wagon dit plombé, et donc il arrive, et à partir de ce moment-là, il explique, il faut lire le compte-rendu de la première rencontre entre les bolcheviks de Pétrograd et Lénine. Ils ne comprennent pas du tout dans ce qu'on appellera les thèses d'avril 17, comment Lénine leur annonce un mode opératoire, un objectif pour lesquels c'est totalement irréaliste. Ils sont sidérés. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend très très bien que Lénine donc, est rentré dans un système de prise de pouvoir. C'est lui qui impose la prise de pouvoir à l'automne, le fameux coup d'État bolchevique. C'est lui ensuite qui va imposer également le traité de Brest-Litovsk. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe Busseau, c'est lui qui impose un système avec Trotsky et avec Dzerzhinsky. On a à la fois l'armée rouge avec tout ce que ça implique. On a un système totalitaire. On a les premiers camps de concentration. On a la police politique. Camp de concentration, étymologiquement, c'est un camp où on concentre les gens. Voilà. Et les premiers camps de concentration apparaissent pendant la guerre des Bourgs en Afrique du Sud, et effectivement, ensuite, pendant la guerre mondiale, tout le monde ouvre des camps, dits de camps de concentration, mais qui naturellement ne sont pas ceux qu'on verra ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est effectivement un personnage fascinant, Lénine, parce que quand il fait ses thèses d'avril et jusqu'en octobre, il est seul. C'est-à-dire que Trotsky n'a pas encore rejoint ses thèses. Lui aussi n'est pas là. Il arrive plus tard, puis surtout, il a pas encore. C'est en septembre qu'il se décide de se mettre dans le sillage de ce Lénine qui est vraiment tellement déterminé qu'il sent bien que c'est lui qui va mener la barque et que Staline n'existe quasiment pas en 1917. J'en ai même pas parlé. C'est vraiment Lénine, le personnage central, et nourri par une détermination, mais qui est elle-même nourrie par une volonté de violence extrême. Il a décidé que pour gagner, il fallait être le plus violent possible. Et que celui qui gagnerait, c'est celui qui serait le plus violent. Et beaucoup de gens pensent qu'effectivement, une de ses motivations, c'est qu'il n'aime pas la Russie, il n'aime pas le peuple russe. Effectivement, il a une espèce de vision extraterritoriale, qui est une vision presque contemporaine, enfin des certains. Mais ça fait plus de 10 ans qu'il vit en exil en Suisse, à Londres, un peu à Paris. Donc il connaît très mal la Russie, il connaît encore plus mal la Russie que Nicolas II, d'une certaine manière. Et sur le plan physique, c'est quelqu'un effectivement qui est un personnage falot, qui est un personnage qui n'a pas de grand intérêt. Souvent malade, souffreteux. Voilà, mais qui effectivement. Il ne présente pas les caractéristiques du héros à première vue. C'est Trotsky, ça. C'est Trotsky, le héros romantique. C'est tout à fait. Exactement. Ce qui est d'ailleurs une des idées, c'est de le mettre à la tête de la future armée rouge. Bah, alors écoutez, je crois qu'on vient de consacrer une page superbe à la révolution, aux révolutions russes et à la guerre civile. Mais il ne faut pas oublier que tout cela, et alors cette fois-ci, on va se concentrer sur votre ouvrage panoramique 1917, ça a lieu dans le contexte, comme on le rappelait un petit peu, de la Première Guerre mondiale. En quoi l'année 1917, Jean-Christophe Buisson, marque un tournant décisif concernant la Première Guerre mondiale? Alors, sur un plan militaire ou diplomatique, c'est évident parce qu'il y a notamment quatre grands événements qui vont bouleverser la donne. Si vous prenez une carte le 1er janvier 1917 et une carte le 31 décembre 1917, tous les changements qui ont eu lieu là annoncent ce qui va se passer l'année suivante. Le premier grand événement, c'est évidemment les deux révolutions russes. Pourquoi? Parce que sur un plan militaire, c'est l'effondrement de l'armée russe et une promesse de paix séparée qui pose beaucoup de problèmes évidemment aux alliés.
Le deuxième grand événement, c'est évidemment l'intervention des Américains. Pour la première fois, ils rentrent en guerre. Pour eux et pour nous, c'est important. Pour eux, parce que c'est la première fois qu'ils sortent de leur isolationnisme traditionnel, de l'idée que ce qui se passe en Amérique, c'est pour eux, ce qui se passe en Europe, c'est pour les Européens. Et pour la première fois, pour des raisons morales, très importantes, parce que tout le XXe siècle sera fait d'interventions américaines au nom de valeurs morales. Et c'est au nom de valeurs morales qu'ils viennent intervenir en Europe en disant « il y a des barbares d'un côté, nous incarnons la civilisation, quand les barbares bien, sont les Allemands. Mal. Pourquoi sont les Allemands ? Parce que les Allemands, leurs sous-marins coulent des bateaux civils. Donc ça, c'est la barbarie, on ne peut pas laisser ça. Donc on intervient, on vient vous aider, vous les Anglais, les Français, les Russes. » Et c'est un événement important parce qu'ils inaugurent de cette manière leur rôle de gendarme du monde. Et aujourd'hui, ça nous parle encore, l'idée que les Américains jouent aux gendarmes du monde, ça va même très loin. C'est que Wilson, quand il est réélu président des États-Unis fin 1916, et c'est lui qui va, il est élu sur une promesse de ne jamais entrer en guerre. Et si vous vous souvenez ce qui s'est passé il y a quelques mois, Donald Trump a été élu avec America First, on va laisser les gens s'entretuer dans le reste du monde, moi je fais des murs et puis on reste entre nous. Regardez ce qu'il fait depuis quelques semaines, il intervient, il est prêt à faire la guerre en Corée du Nord, il a bombardé la Syrie, ce qu'il n'avait même pas fait Obama. Donc on voit bien cette tendance américaine qui est née en 1917 de dire on ne s'occupe pas du reste du monde, puis finalement on s'en occupe parce qu'il y a d'autres raisons parfois économiques qui font qu'on a envie de s'en occuper. Vous avez aussi cette année-là un événement, plusieurs événements cruciaux dans le Moyen-Orient. Les Anglais reconquièrent Bagdad et Jérusalem. Et dans le même temps, ils font ce qu'on appelle la déclaration Balfour en novembre 1917, qui consiste à promettre aux Juifs un foyer national dans cette région, là, vers Jérusalem, en Palestine. Le problème, c'est que les Anglais, l'année précédente, avec les accords Sykes-Picot, ont promis un grand royaume arabe où il n'y aura pas de Juifs. Enfin, ça rentre. C'est pas la question. Donc, la guerre qui existe depuis 70 ans dans cette région du monde est née en 1916-1917. Et puis, il y a une autre chose qui me tient à cœur aussi, on l'a évoqué tout à l'heure avec notamment Belgrade, puisque ce qu'on voit ici dans ce musée est passé par Belgrade, comme l'a expliqué tout à l'heure le conservateur. Et bien, en 1917, il y a ce qu'on appelle la déclaration de Corfou, qui consiste à ce que des Serbes, des Croates, des Slovènes se mettent autour du table en disant on va abattre l'Autriche-Hongrie, ou quand l'Autriche-Hongrie aura perdu la guerre, on va faire un royaume, on va tous se réunir, ça s'appellera Yougoslavie, Youg ça veut dire sud en serbo-croate, donc les Slaves du Sud, on va se réunir ensemble avec une dynastie, les Karadjordjevic, et puis on va très bien s'entendre et on va faire un nouveau pays. Et ça c'est important parce que c'est une tendance forte de l'année 1917, c'est-à-dire des sécessionnismes nationaux dans ces grands empires que sont l'Empire ottoman, l'Empire allemand, l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois. Et tous ces événements vont donner les accords de paix qu'on connaît, les traités de paix de Sèvres, de Versailles, qui vont créer des petits États, parfois artificiels, ou des pays comme la Yougoslavie assez artificielle, ou la Turquie moderne. Mustafa Kemal, 1917, est une année cruciale pour lui. C'est là où il devient un héros du pays et qui commence à penser qu'un jour, il faudra abattre cet empire ottoman et faire une république laïque. Donc, 1917, d'un point de vue militaire, diplomatique, est une année vraiment de bascule. Et avec, comme vous le dites, mais dans tout votre ouvrage, plein de résonances, vous venez de le montrer, sur le monde de 2017. Alors, d'un point de vue plus franco-français, ben, ce n'est pas très réjouissant, parce que d'abord, c'est dans l'armée française qu'on commence à enregistrer le plus de désertions, de mutineries, et en parallèle de ça, et ce n'est pas très incitatif, ben, c'est aussi l'année de l'offensive Nivelle dont on sait la catastrophe qu'elle a représentée. Ben, l'un expliquant l'autre, d'ailleurs. Ben, bien sûr, évidemment. accélérant l'autre. Un mot là-dessus, alors. Oui, l'offensive, c'est ce qu'on appelle l'offensive du chemin des dames, qui était, on avait prévu de renverser l'armée allemande, de la bousculer, sauf qu'elle a été reportée dans des conditions météorologiques désastreuses, et puis finalement, on l'a bousculée de quelques kilomètres avec des dizaines et des dizaines de milliers de victimes. Et là, il se passe quelque chose qui n'est pas arrivé encore, sans qu'il y ait de concertation. Alors évidemment, il y a l'écho de la révolution russe, donc l'état-major se dit « Oh là là, attention, ça va finir comme en Russie, où il y a plus d'un million de déserteurs ». Alors pas du tout en France, c'est vraiment pas pour des raisons idéologiques, mais d'un seul coup, les poilus disent « On n'en peut plus ». Ils ne cessent pas d'être patriotes pour autant, c'est intéressant, parce que par exemple, pour incarner cette histoire, j'ai pris le carnet de bord d'un soldat qui s'appelle Félix Mazot, tout à fait. Et qui entend parler de mutinerie près de lui. Et il dit, dans la même phrase, il dit « il faut une répression impitoyable », lui est poilu, et en même temps, il faut, pardon, il faut que l'état-major nous écoute, nous entende, nous fasse attention. Et Pétain, c'est le succès de Pétain, c'est ça, c'est quand il va arriver, les premières mesures qu'il va prendre, il va faire condamner à mort quelques leaders. Pour l'exemple, mais... Pour l'exemple, il va engracier beaucoup. Enfin, il va commuer des condamnations à mort en condamnations en prison. Et puis, il va prendre des mesures pour le quotidien des poilus, leur permettre d'avoir un roulement plus régulier de permission, d'avoir un petit livret où on sait à quelle heure passe le train, qu'ils n'attendent pas 3 jours dans une gare pour finalement ne pas partir en permission. Il va leur faire fournir des ballons de football. C'est anecdotique, mais 1917 est l'année où est créée la Coupe de France de football. Et on a compris que le foot, ça permettait
au collectif de continuer quand on était en permission plutôt que les soldats s'est parti. Le nouvel opium du peuple. Et que les lieutenants se retrouvaient ou les officiers se retrouvaient à jouer avec les soldats et qu'il y avait une petite collectivité qui se créait et que c'était bon après pour repartir à l'assaut. Donc Pétain prend ces mesures-là. Et au-delà de Pétain, ce qui m'intéresse en 1917 en France, c'est la notion d'homme providentiel. C'est-à-dire que vous avez Pétain qui devient chef d'état-major et puis vous avez Clémenceau qui va arriver au pouvoir en novembre 1917 et qui va être un peu l'équivalent civil de Pétain, c'est-à-dire l'homme qui dit maintenant on va gagner la guerre, on va gagner la guerre avec les Américains et avec les tanks, on va attendre un petit peu et puis après on va partir. Mais on ne refait plus de grands assauts comme le chemin des dames pour finir puisqu'on avait commencé par là. Alors ce qui est surtout intéressant dans tout ce qui vient d'être dit aussi, c'est justement comment l'image de la légende dorée de Pétain émerge. Et là encore, on comprend pourquoi Pétain en 40, puis peut-être longtemps, a eu une image très positive, a rassuré les Français, presque jusqu'en 44. On est quand même venu très nombreux l'acclamer au balcon de l'hôtel de ville, on a oublié ça. Et une image réelle, c'est-à-dire que bon... il ne s'agit pas de sauver le régime de Vichy, mais enfin, le maréchal Pétain était... Il faut comprendre juillet 40. Juillet 40, Charles Maurras a employé cette expression, le leader royaliste de l'Action française, de divine surprise. Ce n'est pas la défaite, la divine surprise. C'est le fait que de cette défaite est né un homme, qui est le général Pétain, dont on ne peut pas douter une seconde qu'il fera tout pour protéger les intérêts de la France, voilà. Puisque cet homme, en 1917, a tout fait pour protéger les intérêts de la France. C'est l'incarnation du patriotisme absolu. On s'apercevra que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il va accepter la collaboration, que ce ne sera pas le patriote qu'on prétendait. Puis mais en 1940, homme, en réalité, personne ne peut douter voilà, qu'il ne va pas tout faire pour protéger la France. Il va bénéficier de cette légende dorée en 40. Alors, il faut qu'on avance un petit peu et on va choisir un événement un peu cocasse qui fait la liaison entre la guerre et d'autres choses, parce qu'il y a quand même des choses artistiques, des choses sur d'autres plans, plein de choses qui se passent en 1917. Mais l'arrestation de Matahari, finalement, elle est à mi-chemin entre le domaine de l'art et le domaine de la guerre. Alors, un mot sur l'arrestation de Matahari, rappeler qui était Matahari et puis pourquoi elle fait la liaison finalement entre les deux. C'est une danseuse orientale un petit peu. De cabaret qui se déguise et qui va effectivement être contactée par différents services secrets, les Français, les Allemands, peut-être les Anglais, sans doute les Russes, au gré un petit peu de ses aventures sentimentales et amoureuses. Mais comme elle est une sorte de star dans son domaine, effectivement, son arrestation va susciter... C'est un événement. Ça va être un grand événement. Elle va être exécutée d'ailleurs, voilà. Le 15 octobre, je crois, 1917, sur le polygone de Vincennes. Exactement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc là, on a plutôt dit des choses pas très heureuses, hein, des guerres, des révolutions, des morts, etc. Un monde attristé. Et puis, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en même temps, 1917, c'est un monde de foisonnement artistique. Alors, on peut par exemple penser qu'en plein milieu de la guerre... Alors, j'invite les gens à lire un ouvrage en particulier là-dessus, qui est le journal d'un attaché d'ambassade de Paul Morand. Ils se régaleront à voir que pendant qu'il y en a qui meurent dans l'offensive Nivelle, il y en a d'autres qui font la fête au Ritz. Hein. Il y a ces deux choses qui coexistent et qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les romans de Marcel Proust. On voit à la fois la guerre dans le ciel, mais le caviar au Ritz. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant le foisonnement artistique? Je voudrais vous entendre sur un événement, par exemple. En quoi Parade, qui doit dater de mai 1917, le ballet Parade, où on retrouve des noms qui compteront pour tout le XXe siècle, Cocteau, Diaghilev, Picasso, etc. Les ballets russes, on n'en sort pas. En quoi, par exemple, ça montre, cet événement, il est emblématique du foisonnement artistique de 17. Oui, mais parce que je pense que le foisonnement artistique naît du chaos intellectuel, militaire, politique. Bien sûr, alors aujourd'hui, les artistes, quand ils veulent dénoncer la guerre, ils font des pétitions. À l'époque, ils créaient. Et le symbole de ça, c'est vraiment Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire s'est battu, a été blessé, a été trépané, a été réformé. Eh bien, quelques mois après avoir été réformé, cet homme qui a vécu la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invente le terme de surréalisme et il fait le premier spectacle surréaliste qui s'appelle « Les mamelles de Tirésias ». Et effectivement, il fait le livret de Parade, écrit par Cocteau, musique de Satie, qui est un spectacle qui va faire scandale. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle joyeux, vu comme quelque chose d'antimilitariste, parce que comment ça, les poilus sont en train de mourir et là, vous êtes en train de vous amuser? Eh bien oui, on est en train de s'amuser parce qu'on est en train de changer de monde, effectivement. On est dans un monde de mouvement. Alors, c'est un mouvement qui part un petit peu dans toutes les directions. Le mouvement surréaliste, qui d'ailleurs, celui qui sera dans les années 20, est beaucoup plus idéologique que celui-là, qui est simplement de casser les codes classiques. Et en 1917, à la fin de l'année, je raconte cette rencontre qui me paraît très symbolique, qui est Henri Matisse qui va visiter Renoir.
Renoir, c'est le dernier représentant de l'impressionnisme, qui est déjà quelque chose de vieux en 1917. Mais Matisse, qui va quand même révolutionner à sa manière l'art, l'art moderne. Et encore, c'est la rencontre du vieux monde et du nouveau monde. Il va voir Renoir et il lui rend hommage parce qu'il sait qu'on ne crée pas à partir de rien. On bouscule, mais on bouscule quelque chose qui a déjà existé, qui est le classicisme. Et la même chose a existé dans la musique, et la même chose a existé dans le cinéma. Cette année 1917 va voir le premier disque de jazz enregistré, va voir le premier dessin du animé. Voilà, il va voir l'urinoir de Duchamp, la naissance de l'art conceptuel, où un artiste a décidé qu'un objet comme une chaise, une table, est un objet d'art. Mais puisqu'il est artiste, il a le droit de dire ça. Quand vous voyez aujourd'hui les œuvres de Kuntz, c'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire un ballon gonflable rose, si j'ai décidé que c'était une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Bah oui, c'est une œuvre d'art. D'ailleurs, elle vaut des centaines de millions d'euros. Bon. Bon, on est un peu stupéfiés c'est la même chose à l'époque. Du simplisme de la chose, mais ça passe. Alors, c'est aussi une année, on va conclure un petit peu là-dessus, avec une naissance étonnante, qui vous donne raison une fois de plus, puisque vous dites que 1917 ne cesse d'avoir des résonances. Peu de gens songent, quand on le voit en photo, que c'est aussi l'année de naissance du président Kennedy. On le voit toujours 60s comme ça, mais il est né finalement en 1917 et il montre comme ça comment cette année, presque comme par des effets de ricochet, ne cesse de dialoguer avec le reste du monde du XXe siècle jusqu'à nos et jours. Et on peut dire aussi que c'est l'année de naissance de deux actrices françaises qui vivent encore d'un jour, qui sont Danielle Darrieux et Suzy Delair. Oui, Suzy Delair, vous vous rendez compte, Suzy Delair, quand on parle de Suzy Delair, on parle des années 30, 40, 50, elle est encore vivante. Mais même Danielle Darrieux. Cette même, alors voilà, ces femmes-là sont nées en 1917 et c'est cette année-là que meurt quelqu'un comme Léon Blois ou Édouard Drummond qui incarne tellement le 19e siècle. Et c'est fascinant de se dire que il y a cette des même télescopages. Année, voilà, que Danielle Darrieux a pu rencontrer Édouard Drummond. C'est Léon Blois, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tout à fait. Cocteau disait la même chose quand il rappelait aux gens qu'il avait connu l'impératrice Eugénie, les gens n'en revenaient pas. Alexandre Gévakov, Jean-Christophe Bisson, merci infiniment de vous être rendu à l'invitation de ce numéro de rentrée de l'Essonne en hauteur dans un lieu quand même exceptionnel. On en connaît quelques-uns, mais celui-ci vaut vraiment le coup d'œil. Je rappelle que c'est le musée du régiment des Cosaques de la garde impériale de Saint-Pétersbourg. Donc, s'ils veulent avoir une vision très complète de ce qu'a été la Révolution russe et la guerre civile, ils se reporteront à votre ouvrage, Alexandre Gévakov. Pour avoir une vision plus panoramique, ou quand même, l'événement russe est traité depuis le premier chapitre jusqu'à la fin, ils se reporteront à votre ouvrage 1917. Et puis, l'excellente Maison de Perrin, qui est votre éditeur à tous deux, édite d'autres livres sur les mêmes événements. Alors là, c'est très intéressant. La Grande Guerre oubliée, c'est vraiment de montrer comment l'armée russe a eu des pertes massives. On pense toujours à d'autres pertes européennes, mais voilà, ils n'ont pas fait que demander à rentrer. Ils ont quand même participé au combat. Je crois qu'il y a 15 millions de morts, c'est quand même quelque chose d'énorme. Là, on peut voir un petit peu l'après, c'est-à-dire ce qu'ont donné les politiques bolcheviques russes après la Révolution, Russie, réforme et dictature, jusqu'en 2016. C'est un ouvrage extrêmement intéressant. Et un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un peu légendairement connu et qui est très ambigu, là encore, dans le phénomène de la Révolution russe, Rasputin. Rappelons quand même de mémoire que Rasputin avait dit que le tsar ne devait pas s'engager dans la guerre parce qu'il perdrait sa couronne, et deuxièmement, que si lui était assassiné, eh bien, tu mourras avec toute ta famille. Et là-dessus, il a été un peu le Nostradamus russe. C'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs, en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en hauteur.